Qu'est-ce qu'il fait? Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai reçu, ça y est, bon, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais arrêter de faire mon excité là. Que vous allez bien. Nous, il fait beau, il commence à faire chaud. Vous voyez, un brin de soleil, ça y est, je suis en débardeur, moi. Pff, tout va bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce fameux unboxing. Un petit peu mystérieux comme ça. Pourquoi un unboxing? Donc, il me tardait de vous faire la vidéo et de voir ensemble comment vont ces belles cocottes. Voilà, donc c'est une commande que j'ai faite vendredi dernier, vendredi soir. Alors, pourquoi? C'est pas moi. Qui me suis acheté ces cocottes, c'est un cadeau parce que aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bien sûr, je fête mes 20 ans. Et des poussières. Bon, des poussières, on va dire que c'est plutôt des gros mimi, des gros boutons, mais non, je rigole, je fête mes 35 ans aujourd'hui. Voilà, le temps passe très vite quand même. C'est hallucinant. Et du coup, c'est mon cadeau de mon chéri. Voilà. Parce que vendredi dernier, en fait, vendredi soir, il me dit, oui, j'ai besoin de toi. Et moi aussi, j'ai besoin de toi, mon chéri. il me dit, oui, mais je vais t'obliger de te dire ce que c'est, gna gna gna, mais je ne sais pas comment faire et tout. Et en fait, si vous voulez, je ne sais pas si je vous l'avais montré dans une vidéo, mais il y a quelques mois, mon chéri m'avait offert le fameux Alocasia Watsoniana, dont je rêvais, que nous avons été chercher dans une jardinerie dans laquelle je n'irai plus. Voilà, hein, ça c'est dit, c'est posé. Parce que, en fait, comment dire, il me l'a offert et en fait, une semaine après, l'alocasia était mort. Voilà. Mais quand je vous dis mort, c'est mort, hein. Pas de bulbie, rien à sauver. Voilà. Donc j'étais vraiment dans tous mes états. Parce que c'était la première fois que ça m'arrivait de perdre une cocotte comme ça au bout d'une semaine. Et quand j'ai vu qu'elle dépérissait, je l'ai dépotée. Il n'y avait plus du tout de racines. Donc même pas des racines pourries ou quoi. Hein, il n'y avait plus du tout de racines. Il y avait des trous bien circulaires, vous savez. Au niveau du tubercule de l'alo. Donc en fait, il a été bouffé. Voilà, 90 euros l'alocasia. Voilà. Donc vous comprenez mon désarroi, hein, parce que j'étais vraiment, j'en aurais pleuré. Hein. J'étais là, je disais à mon chéri, je vais te rembourser, c'est pas possible, je vais te rembourser. Gna gna. Enfin voilà, j'étais bref, dans tous mes états. Et en fait, vendredi soir, il avait besoin de moi parce qu'il voulait me le réacheter. Malheureusement, c'est encore un alo qu'on a du mal à trouver. Alors, je sais qu'il est justement sur le site Plants, mais là, il est en rupture de stock et il me dit, voilà, là, je l'ai vu en tout petit chez ton site où tu commandes de temps en temps, donc Plants, vu qu'il n'y a que chez eux que je commande, en fait, de temps en temps. Mais il me dit, c'est un petit et tout. Et c'est vrai que chez Plants, même si les plantes sont très belles, même les bébés plantes, les alocasias, c'est les seules plantes que je n'achète pas chez eux, pas parce qu'elles ne sont pas en bonne santé ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais étant donné que déjà les alocasias, ce sont quand même un peu des drama queens, le transport, la réadaptation, le fait qu'ils soient vraiment bébés plantes, donc qu'ils soient grands comme ça, j'ai pas envie de prendre le risque de les perdre. Et c'est vrai que les alocasias, je préfère moi les voir. Les tâter, les retourner, voir si tout va bien, etc. Voilà, je préfère les voir en vrai et choisir mon alocasia en jardinerie, en magasin, enfin voilà, bref. Donc je lui dis, mais non, je lui dis, tu vas pas commander sur, heureusement que tu me l'as dit, quoi, tu vas pas commander en Indonésie ou je ne sais où. Mais moi, j'ai jamais pris, on va dire, le risque de commander parce qu'il y en a tellement de sites comme ça qu'on ne sait pas ce qui est vraiment bien ou pas bien, ce qui est fiable ou pas fiable. Vous êtes jamais trop sûr de recevoir votre plante parce qu'il y a les douanes, parce que les frais de port sont extrêmement chers. Enfin, bref, je dis, écoute, non, je veux pas que tu te ruines. Et voilà, moi, c'est vrai que
Voilà quoi, comme je l'ai toujours dit, même tu vas me cueillir des fleurs, des champs, voilà, dans une prairie, moi je suis contente quoi, c'est surtout l'intention moi qui m'importe quoi, c'est pas, voilà. Donc il me dit, écoute, tu te feras un panier sur plante, je te le prends pour ton anniversaire. Puis il me dit, oh, mais quand même, tu vas en avoir marre à force, je t'achète toujours que des plantes et tout. Ah, la bonne blagounette. Je lui dis, moi, d'avoir marre des plantes. Moi, tu m'as bien regardé. Je lui dis, mais jamais de la vie, je râlerai parce que tu m'achètes que des plantes. C'est la seule chose vraiment qui me passionne. C'est la seule chose pour laquelle je dépense de l'argent que je considère, je veux dire, comme un loisir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est une passion. Mais je veux dire, je m'achète pas de fringues, je m'achète pas de choses comme ça. Je dis, je dépense vraiment pour mon plaisir personnel, je m'achète des cocottes, quoi. Donc, bien sûr que non, quoi. Je vais quand même pas râler parce que tu m'achètes des cocottes. Donc voilà. Mais j'ai. Donc, du coup, j'ai vendredi soir fait mon petit panier. Mon petit panier. Voilà, bon, bien sûr, je ne l'ai pas ruiné non plus, hein, parce que ce n'était pas le but, hein, ça c'était hors de question. Donc du coup, en fait, je me suis pris 6 plantes. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais sur les 6 plantes, il y en a 4, ce sont des bébés plantes, vraiment, hein, bébés plantes, enfin, de toute façon, on va le voir ensemble, hein, qui sont, voilà, c'est un peu comme ma petite crotte de Philodendron bilitia, et voilà, ça a à peu près la même taille. Il y en a une, c'est une taille M, et il y en a une, c'est une taille L. Chose que je n'avais pas vue, en fait, au vu du prix. Où mon chéri l'a payé, parce que c'est pas moi qui l'ai payé, hein. Je pensais que c'était une taille M, et en fait non, c'est une taille L. Voilà. Donc, du coup, j'ai 6 plantes et voilà, je suis hyper contente. Comme vous voyez derrière, j'ai tout réorganisé hier, j'ai tout nettoyé, j'ai rempoté encore quelques plantes qui en avaient besoin. La Standleyana, la Monstera, la grosse mémère, elle est dans notre chambre avec les orchidées. Parfait, elle a trouvé sa place parce que j'ai donné la Monstera Deliciosa que j'ai sauvée, comme vous le savez, du boulot de mon copain. Je l'ai donnée à un de ses collègues, justement, parce que j'avais 3 pieds. J'ai la mienne qui est énorme, qui est plus grande que moi. Et là, j'ai une bouture en eau. Alors, je n'allais pas me retrouver avec 10 000 Deliciosa, hein. Donc, ça lui a fait plaisir à son collègue. Il était hyper content. Et vu que c'était un pot qui était quand même comme ça. Ça m'a fait de la place, donc j'ai mis la grosse mémère. Voilà, je voulais la changer de place. Je vous l'avais déjà dit pendant le plan de tour. C'est chose faite. Voilà, donc on va déballer. On va déballer. Voilà, oh là 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 là. Donc attendez, comment je vais faire pour que vous voyez bien? Parce que je veux que vous voyez bien le carton et tout. Je sais pas. Du coup, je sais pas. Comment on va pouvoir faire? Ou alors je baisse un peu le portable comme ça? Pareil. Oh, vous avez une belle vue là, mon Dieu. Attendez. Oui, tant pis, on peut faire comme ça après. Hein, mais non, non, non. Je veux que, voilà, que vous voyez tout. Bon, attendez, je vais regarder. Je vais regarder ça, les amis, et on se retrouve de suite. Bon, les amis, je pense que là on n'est pas trop mal. Voilà, comme ça vous verrez bien. J'espère que je parlerai assez fort, hein, pour que tout le monde puisse m'entendre. Donc voici le colis déjà. Voilà. Donc en général quand même, je sais qu'ils emballent très bien plantes, parce que j'ai commandé quand même pas mal de plantes chez eux que j'ai toujours d'ailleurs, hein, qui vont très bien. À part la Quercoveana variegata, bon, elle va très bien, mais elle me casse ce que je n'ai pas, hein. Donc, mais ça, on en parlera dans la cocotte de la semaine parce que ça va être du coup sur les marintas, c'est sûr, c'est acté. Voilà. Du coup, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Bon, après, le seul truc que j'aime pas trop, moi, je vous avouerai, chez eux, c'est qu'ils mettent le nom en fait. Bon, après, c'est normal, ils mettent le nom de leur boutique, enfin voilà, de leur entreprise. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, on sait que c'est des plantes, quoi. Donc, il y a quand même des personnes, même des personnes qui ne sont pas passionnées, qui ne sont pas, voilà, ils savent que quand même, il y a des plantes qui peuvent valoir cher. Et moi, j'ai toujours peur qu'on me pique mes cocottes, quoi. Voilà. Mais bon, là, ça n'a pas l'air. Donc,
Alors, on va ouvrir ça sans abîmer quoi que ce soit. Moi et ma délicatesse née. Voilà. Attendez, parce que... Si en plus je me coupe en plein live... Enfin, pas en live, mais si je me coupe, on est joli. Je dois travailler ce soir, ça va être sympa si je me coupe. Alors, on va éviter, hein. Je vous fais la petite chanson d'ascenseur. Ah, ça y est. Alors, comment ça se présente? Alors, voilà quand vous le déballez. Voilà. Vous avez toujours voilà, leur petit catalogue. Des fois, il y a des promos. Et je pense... Non. Ah oui, bah, toujours bien sûr les petits... bâtons plants. Donc ça, c'est pas mal, vous savez, pour tester l'humidité dans le pot. Après, ils ont tendance quand même, les leurs, à pourrir un peu. Hein. Donc, bon, ça peut être pas mal hein, pour des plantes qu'il faut vraiment bien surveiller le taux d'humidité dans le pot. Donc, je vais quand même les mettre. Et puis, bon, bah, alors ça, c'est la facture. Voilà, qu'il y a dedans. Et nous allons déballer, déballer. Oh, il y a Ipek. Ah bah vous voyez, ils l'ont mis. Oh punaise, c'est encore chaud, ça marche bien ça. Je m'en rappelais pas l'avoir mis le Ipek. Ah bah peut-être alors, c'est moi qui suis... Oh, c'est super, j'en avais jamais eu. Mais dis donc, ça garde le chaud, c'est encore chaud. C'est... Voilà, c'est génial. Alors, et vous avez... Voilà, voilà. Ah, attendez. Alors, on va commencer par les petites. Par les petites, mais il y en a combien? Ah oui, d'accord, ok. Alors, il y en a une là. Et voilà, ok, d'accord. Alors, la première que j'ai prise. Alors, c'est que des plantes que je voulais par contre. Hein. Ce n'est pas acheter des plantes pour acheter des plantes, hein, bien évidemment. C'est vraiment des plantes que je voulais, que j'avais déjà guignées. Bon. Voilà, alors ça se présente comme ça pour les bébés plantes, vous voyez. Ça, c'est recyclable. Donc, vraiment, tout ce qu'ils font, leur carton, leur papier, tout est recyclable. Donc, ça, c'est quand même un bon point. Et alors, c'est la petite Céropégia. Elle est trop belle. La petite Céropégia variegata. Oh, la Céropégia Woody variegata. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Oh, kikinette. Oh, je suis trop contente. Regardez-moi ça. Bah, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Ah, ça m'agace. Ah, bah attendez, je suis con, moi. Je peux allumer. Ah, voilà. Donc, du coup, c'est la petite Céropégia Woody variegata. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Oh, je suis trop contente, hein, parce que j'ai ma Céropégia basique. Bah, qui a été une de mes premières succulentes et qui va extrêmement bien hein. Là-dessus, elle, j'ai toujours eu du bol. Pas de bestioles à première vue, c'est très rare. Enfin, moi, toutes les plantes que j'ai achetées chez eux, je n'ai jamais eu de bestioles. Voilà. Bon, après, on sait que ça peut arriver hein. Malheureusement, ça reste, voilà, hein, c'est des êtres vivants, même si les plantes sont de... Voilà, qui font attention et tout, on peut malheureusement avoir des trips, des acariens, des voilà. Mais là, j'ai jamais eu de soucis. Donc voici pour la première, mes amis. Ah là oui, bah dis donc, bah oui, bah je vais devoir la rempoter. Regardez-moi ça en dessous. Bon, pour l'instant, je vais pas les rempoter, bien sûr. De toute façon, là, j'ai plus rien. Je suis à poil, j'ai plus de gravier, enfin, j'ai plus de billes d'argile. J'ai plus de substrat, de terreau, de substrat pour orchidées. Je n'ai plus rien. Donc, ce week-end, il faut que j'aille à ma deuxième maison chercher tout ce qu'il me faut. Donc, je vais les laisser tranquillement s'adapter. Et puis, ce week-end, je les rempoterai. Voilà. Ensuite, mais pourquoi j'en ai trois? Ils m'ont mis un cadeau ou quoi? Ah non, c'est vrai, je suis con. Non, non, c'est moi. Donc, voici les trois autres. Voilà. Alors, elles, par contre, qui n'ont pas de peau. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire. Non, bah, en fait, il faut que j'y aille avant ce week-end. Je vais prendre le bus et puis, bah, je vais y aller avant ce week-end. Donc, nous avons quoi? Alors, oh, qui que t'es beau. Oh, oh, il est beau. Oh là là, les racines. Bon, un peu de terre, Kiki.
Je me suis pris, ah, je le voulais celui-là, depuis longtemps, mais il est encore très cher. Donc là, je l'ai trouvé en bébé plante. C'est le Syngonium Strawberry Ice. Voilà, je vais me rapprocher que vous le voyez. Voilà. Lui, je le voulais. En fait, pour l'instant, il est un peu rose. Voilà, les feuilles sont quand même un petit peu roses. Mais en fait, en vieillissant, il a les feuilles qui peuvent être très rouges, mélangées à du rose. Enfin, il est, oh, il est trop beau. Et regardez-moi ça, les racines. Bon, c'est pas grave. Les racines. Vous voyez ça? Regardez-moi ça. Oh. À chaque fois, leurs plantes, elles sont patates, hein, faut dire ce qui est. C'est une tripse, ça, ou c'est... Non, c'est de la terre. Alors, ben, que je commence pas à me faire des frayeurs. Donc, voici le petit... Syngonium Strawberry Ice que je trouve incroyable quoi. Et il me tarde qu'il pousse, mais déjà les racines qu'il a, oh, regardez-moi ça. Pouh, je suis trop contente. Bon, par contre, elles n'ont pas de peau, donc je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai plus du tout de terreau. Ensuite, alors, je vous mettrai le nom en dessous parce que de toute façon, d'un, il est trop compliqué à dire. Et de deux, ouais, il est trop compliqué. C'est un nom à coucher dehors. Alors, en fait, je l'ai prise parce que déjà, je l'avais vu en magasin en grosse taille. Et en fait, quand j'ai fait mon panier, en fait, il me manquait 25 centimes pour avoir les frais de port gratuits. Donc, du coup, bah, j'en ai repris une sixième. Elle était en promo, donc je l'ai payée même 3 euros, je crois. Et c'est une Calathea, donc je vous mettrai le nom en dessous et je la trouve hyper jolie. Elle a les feuilles toutes, toutes en velours, toutes moumousses là, toutes. Et j'ai toujours adoré cette Calathea. Et regardez-moi ça, les racines. Oh, je n'en reviens pas à chaque fois, je suis fan des racines. Voilà, donc ça c'est la petite Calathea que je me suis prise. Ben pour avoir les frais de port gratuits, parce que voilà, si je ne l'avais pas prise, au final, j'en aurais eu pour plus cher de frais de port que d'acheter cette petite cocotte à 3 euros, là. Et attendez, je vais quand même essayer de regarder si je ne peux pas augmenter. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment... voilà, je vous mettrai le nom. C'est la War, je ne sais plus quoi. Voilà. Une Calathea que je trouve incroyable. Donc, du coup, ben, c'était l'occasion, donc je l'ai prise. Après, la dernière pour les bébés plantes. Non, ça va. Alors, qui est un syngonium qui est basique, mais pareil, en grandissant, que je trouve hyper joli, enfin, hyper, ouais, hyper beau dans son, dans sa taille, on va dire, plus adulte. C'est le Syngonium Christmas. Voilà. Donc, en fait, qui a vraiment les nervures rose-rouge un petit peu. Et qui, en fait, en grandissant, cette nervure, est beaucoup plus prononcée, hein, forcément. Mais là, je vois que... Oh, il m'a refait une feuille, là. Là. Les racines sont pas trop mal. Ouais, il y a eu mieux, hein, mais voilà, elles sont saines en tout cas. Ouais, si elles sont saines quand même, si ça va. Tout est bien dur. Hein. Titre, bon, il y a quelques... Il y a une petite feuille jaune là, mais bon. Voilà, hein, ça, c'est pas grave. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. On ne peut pas avoir... non plus, certes, on paye pour un service, mais voilà, comme je dis, parce qu'il y a des gens à chaque fois qui râlent dès qu'ils ont une feuille jaune... dans leurs achats et tout. Mais bon, ça reste des êtres vivants. Oui, oui, oui. Donc, du coup, ça peut arriver. Du moment, comme je dis, que la plante de base est saine et que les racines sont saines, aucun souci. Et qu'il n'y ait pas de bestioles, hein, le moins possible. Hein, mais bon, ça aussi, ça peut arriver. Donc, voici le petit Syngonium Christmas. Voilà. Que je trouve incroyable aussi, qui est un basique, mais... qui a vraiment les nervures rouges, roses, enfin voilà, que j'adore. Donc ça, c'était les bébés plantes, mes amis. Alors, je sais pas. En attendant, bah ouais, il faut vraiment... ou alors, il faudrait que j'y aille demain, je crois. Je vais y aller demain. Acheter, au moins avant ce week-end, acheter
comment ça s'appelle, un sac de terreau, il me reste de la perlite, des billes d'argile et un sac de substrat pour orchidées, parce que sinon, voilà. Donc, on va passer aux grosses cocottes. Oui. J'ai quand même beaucoup de chance. Hein. C'est vrai que je suis un peu émue aussi, parce que j'ai quand même beaucoup de chance, quoi. C'est vrai que, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas, comment dire, je veux dire, par rapport à nos compagnons, nos compagnes et tout, nos maris, nos chéris, enfin, voilà, je pense que, voilà, hein, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, parce que, moi, mon chéri, il ne me dit rien, quoi. Il a accepté, il a toujours accepté ma passion. Il m'a jamais dit, voilà, il aurait été tout à fait en droit de me dire, maintenant, ça suffit, t'en as trop, stop. Et en fait, non, il m'en offre, quoi, même. Voilà, donc, c'est vrai que, j'ai quand même beaucoup de chance. Voilà, donc, je suis un petit peu émue aussi. Voilà. Alors, voilà, pour les grosses plantes, c'est, voilà. C'est comme ça en fait. Donc elles sont quand même bien protégées. Hein. Elles sont très bien protégées. On va enlever le scotch. Et celle-là, je la voulais. Ouh, du coup que je la voulais celle-là. Ah bah forcément là c'est une agrafe. Oh qu'elle est belle. Mon Dieu, qu'elle est belle. Oh, cette merveille. Bah alors, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu, oh, elle est incroyable. Oh bah elle m'a coupé la chic. Elle est trop belle. Bah du coup, ouais, voilà. Voilà, voilà. Bah pardon, du coup je suis, ouais, ça me... Bah voilà, la fille qui est contente, qui limite va verser sa larme parce qu'elle a des belles cocottes. Non mais franchement, je vous jure... Ah là là, je ne suis pas quelqu'un de forcément, enfin vous me voyez toujours très jovial et tout, mais bon comme tout le monde j'ai mes défauts, je ne suis pas quelqu'un de très, je suis très émotive mais je ne le montre pas en fait. Je suis très sensible, très voilà, mais je ne suis pas quelqu'un qui va montrer très facilement ses émotions, mais c'est vrai que là, voilà, c'est un tout en fait, je suis très contente. Ouais, je suis très contente, je ne sais pas si c'est l'effet anniversaire qui fait ça, mais... Ouais, je suis très contente de ce que j'ai reçu, je suis très contente parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir un chéri qui me laisse faire ce que je veux dans ma passion. Je suis fière de moi aussi, hein, quand je fais le récapitulatif de mes 35 années. Voilà, enfin, je sais pas, c'est un tout. Je crois que c'est l'effet anniversaire aussi. Donc voilà, donc en fait, mes amis, c'est la Marinta Light Vein, voilà, qui est incroyable. Et ça, dites-vous, c'est une taille M. Voilà, une taille M. Elle est déjà quand même, je trouve, grosse. Et elle me refait une feuille là. Là, il y en a deux qui sont sorties. Elle refait un kiki là. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme elle est belle. Je ne la pensais pas aussi belle. Je l'avais vu chez copain Thibault en bouture, mais là, je trouve que ça pète, quoi. Les nervures, elles sont incroyables. Hein. Oh, mon Dieu, quelle est belle. Oh là là. Voilà. Bon. Donc, c'est la Marinta Light Vein, voilà, qui va rejoindre. J'ai fait de la place pour les nouvelles, d'ailleurs, donc je sais où je vais la mettre. Après le substrat, bon après c'est juste pour l'envoi, bon le substrat est pas top, hein. Moi j'aime pas du tout ce substrat là, hein, mais voilà, je vais les rempoter. Voilà mes amis, bon et la dernière c'est la taille L, vous allez être étonnés parce que de cette famille là j'en ai que deux, mais j'ai craqué parce que voilà je l'ai toujours trouvé très beau et je me suis toujours, comment on dit, ça y est, je sais même plus, je perds mes mots moi. Je me suis toujours tâtée à le prendre et là je me suis dit vu le prix, c'est l'occasion quoi parce qu'il reste encore un petit peu cher.
Et je ne savais même pas, je vous dis que c'était une taille L en fait. Moi je pensais qu'au vu du prix, parce que je l'ai payé 20, enfin, il valait 22 euros. Et donc, du coup, je pensais que c'était une taille M. Voilà. Oh. Bon, après, vous allez retrouver de la terre partout, hein, mais ça, c'est pas à cause du site. Hein. Les plantes sont très, très bien emballées. Et ça, c'est comment sont manipulés les cartons. Hein. Je suis désolée. Mais il faut dire quand même... Oh, crapinette ! Ben, viens, regarde. Allez, saute. Oh, voilà, dis bonjour. Ah, faut que je te mette ton tabouret pour que tu viennes dire bonjour aux gens, toi. Oh, Kiki. Moi, oh, qu'il est beau. Et voici, voilà, l'antorium. L'antorium clarinervium. Je vais y arriver. Hein. Oh, regardez comme il est beau. Après, il a un peu... Bah là, la feuille est un peu abîmée. Vous voyez, elle a un trou et tout, elle est pliée, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, si elle veut, comment dire, si ça lui plaît pas, de toute façon, elle va commencer à jaunir. Et là, si je vois qu'elle jaunit et que, bon, ben, que voilà, qu'elle garde pas sa splendeur, on va dire, je la couperai. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Et je pense en plus que c'était la dernière feuille au vu de la couleur. Vous voyez la différence de couleur entre, par exemple, celle-là et celle-là. Les nouvelles feuilles sont toujours un petit peu plus claires. Bon, après, c'est pas grave. Bon, il y a un petit trou, mais je vous dis, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Attends, on va enlever le petit papier qu'ils mettent. Mais, alors, pourquoi j'ai pris l'antorium? Ben, c'est vrai que j'ai le cristallinum qui va, ben là, qui est déjà, ça y est, je suis contente, qui me refait une feuille. Et j'ai un antorium langue de feu, vous savez, les basiques, mais les fleurs sont noires. Et là, je vois que ben, j'y arrive bien. Voilà. Je leur fais un substrat bien spécifique, voilà, aussi, parce que voilà, c'est un petit peu plus délicat que certaines autres plantes. Et je vois que ça leur plaît pas mal, quoi. Donc, et celui-là, je l'avais vu ben, quand il est sorti. Mais vu que moi et les antoriums, c'est pas bon, même si je les trouve extrêmement beaux, j'avais peur qu'ils aient pas assez d'humidité à la maison. Et en fait, finalement, ça se passe très bien. Mais bon, ça ne veut pas dire que je vais me lancer, hein, on est d'accord, dans les antoriums. Hein, c'est des gros pépères qui peuvent faire des très grosses feuilles. Et voilà, j'en ai trois. J'en ai trois que j'aime bien. Le cristallinum, je le voulais. Je le trouvais très joli. Ben là, du coup, l'antorium clarivernium. Bon, bref, vous m'avez comprise. Et voilà, et il a des belles racines, hein, de ce que je vois, vu que la terre est un peu tombée. Je vais essayer de vous dégager un peu. Regardez, attends. Vous voyez là? Attends, là, la taille des racines, hein, il est magnifique. Hein. Et puis tant pis, bah, s'il est un peu, voilà, il a sa feuille un peu de cassé. Bon, c'est sûr qu'on préfère quand les feuilles sont toutes belles, toutes... Mais bien évidemment, mais bon, ça ne me dérange pas, hein, ça ne me dérange pas. Voilà. Je pense qu'il va s'en remettre. La feuille, en plus, est très fragile parce que bah, c'est la nouvelle feuille. Mais voilà, quoi, la plante est très saine, quoi. Pouah, il a des couleurs, je trouve. Enfin, il a vraiment, puis il a une texture de feuille. Enfin, c'est ça que j'aime bien chez les antoriums, c'est qu'ils ont vraiment des feuilles très épaisses, là. Mais en même temps, toutes douces, toutes, vous voyez. Oh, il est vraiment beau. Oh là là, que d'émotions, mes amis. Mais ouais, je suis très contente. Hein. Encore une fois, c'est vraiment des belles plantes, quoi. Si on fait vraiment abstraction de la terre qui s'est renversée, d'une ou deux feuilles jaunes, voilà, ou une feuille qui s'est un petit peu déchirée, au niveau de la masse racinaire, enfin du système racinaire, voilà, les plantes, ils ont toujours des plantes, je trouve. Après, peut-être que certaines personnes ont eu des soucis, hein, ça peut arriver. Hein. On n'est jamais à l'abri. Hein. Mais écoutez, moi, pour l'instant, je touche du bois. Je n'ai jamais eu de soucis avec les plantes que j'ai commandées chez eux. Vraiment pas. Donc, sincèrement, si vous êtes un petit peu, comment on dit, un petit peu réfractaire, ou que, voilà, vous... ou que vous hésitez, n'hésitez pas. Donc, du coup, les amis, ben, écoutez, voilà, ben, je...
Je suis hyper contente. Attendez, je vais essayer aussi de. Je suis désolée, ça va bouger un peu. Voilà. Crapinéné, viens me crapiner. Oh. Du coup, oh, les amis, eh ben, du coup, on va finir cette vidéo comme ça. Avec Crapinénette qui décide de montrer sa bouille. Oh non, me lèche pas, je suis propre. Mais non, mais moi, je fais ma toilette, Crapinette. Oui, Zaki. Voilà, on va terminer cette vidéo. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que les cocottes vous auront plu. Je vous les remontrerai, hein, je vous les remontrerai un peu mieux, je pense, ben, voilà, dans d'autres vidéos. Et puis, donc du coup, comme je vous ai dit, ben, cette semaine, la cocotte de la semaine, ça sera les Marintas. Voilà, donc parce que il y a quelques personnes qui m'avaient demandé. Donc, ça sera la Marinta. Et la prochaine grosse vidéo, c'est à la base celle que je voulais faire pour là, cette semaine. Ça sera en fait pour parler un peu des cactus et des succulentes. Parce que c'est vrai que j'ai des cactus et des succulentes que j'ai depuis plusieurs années qui vont. Pardon! Ouf! À la vôtre! Excusez-moi. Et donc du coup, qui vont très bien. Et c'est vrai que je voulais vous montrer un petit peu comment elles ont passé l'hiver bah, pour celles qui sont dehors en fait, hein, qui passent bah, d'ailleurs leur temps dehors, hein, toutes les saisons confondues. Voilà, voir si tout allait bien, vous en parler un petit peu. Voilà mes amis. Bon bah écoutez, sur ces belles cocottes dont je suis hyper contente. Bah écoutez, de toute façon, on se dit en fin de semaine, là, pour la cocotte de la semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros gros bisous. Merci aussi pour tout. Hein, voilà, encore une fois, merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci pour votre gentillesse, pour tout. Voilà, c'est un peu séquence émotion. Voilà, parce que bon, il faut. Ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien d'avoir autant de gentillesse et de bienveillance. Donc, voilà, merci pour tout. Et puis voilà, faut que j'arrête. Hein. Oh mon Dieu, séquence émotion, bonjour. Voilà, donc du coup, ben, merci pour tout. Et du coup, on se dit à la semaine, enfin non, pas la semaine prochaine, à la fin de cette semaine pour la cocotte de la semaine. Je vous embrasse bien fort, à bientôt les amis.